Bonjour à tous, c'est Monsieur Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, la suite de Starsky Hutch avec les numéros 87 et 88. On pense à s'abonner à la chaîne, à me rejoindre sur le groupe Facebook de construction et on est parti pour ces deux numéros-là. Numéro 87 et 88. Le montage d'Hatcher Ross Rip partie 1. Donc le pas à pas, juste en venir enlever les deux barres. Le résultat. La saison 4, l'épisode 9, bleu et noir, question de point de vue. La Dodge Charger Daytona 269, conçue pour un NASCAR. Tout pour ce numéro là, le 88, le montage de la carrosserie partie 2. On voit tout de suite les pièces du 89 avec le pare-brise. Le pas à pas, le résultat fini. L'épisode 10 de la saison 4, quel métier comme un poisson dans l'eau. La butte Wildcat 267, le chat sauvage de la GM, et c'est tout pour ces deux numéros là. Numéro 87, c'est notre carrosserie. Donc il y a juste à venir enlever les deux barres, du coup après notre partie reviendra juste ici. Comme ceci. Une petite différence de teinte. Mais vraiment très légère. A voir par la suite ce que ça donne. Et voilà pour ce numéro 87. Les pièces de notre numéro 88 en A, c'est la garniture de l'encadrement de portière gauche. En B, c'est le droit. En C, marqué d'un L juste ici, on a notre vide de custode gauche. Et ensuite, marqué d'un R, c'est la D, c'est la droite. Davis SM. On vient positionner notre carrosserie à l'envers, comme ça ici. On prend déjà notre vitre C, donc marqué d'un L. On vient la positionner juste ici. On y met une vis SM en bas. On retourne, on vient mettre la deuxième en face. On revient devant de ce côté là, on prend notre baguette A que l'on vient enfoncer dans les trous prévus juste ici. Voilà, on retourne ensuite. On fait la même chose de ce côté-là.
Et voilà pour le montage de ce numéro 88. Et voilà nos deux numéros avec la superbe carrosserie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On pense aussi à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!